Compatriotes haïtiens frères et sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 6 août 2024. Nous comptons, yon l'autre fois encore rentrer la caillou sous taxe 509, tout haïtien connecté. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, nous continuons à porter information pour vous, nous continuons à brasser l'idée sous tout petit détail qui domine l'actualité. Pas de campé, pas de fait-back, pas de replié. C'est comme ça, ministre justice pays d'Haïti, chez mettre la loi, mettre Carlos Circule, lui-même, il a baillé des explications sous bataille. Équipe le ministre Gary Konila mené contre nèg examyo contre insécurité qui pas suspendre taille bandane dans la coupe pays d'Haïti face avec défi que bandi examyo continue à bail autorité la police yo continue à bail pouvoir l'état gang 400 marozo l'homme sans jour et il continue à montrer volume zam volume cartouche li gen à la disposition là pour toke kon avec policier kenyan yo un groupe policier qui au même depuis et mois passé yo qui dans pays d'Haïti mais qui rete en bas pay qui dans marron qui pas jamais véritablement vinn faire ça y a payé pour y faire comme quoi y a vinn pote renfort bay police nationale d'Haïti on l'autre bord non dossier politique là gagné en pile parler qu'a fait nan jou k'ap gen pou vini la yo sou décision qui t'a supposé prendre nan conseil présidentiel transition puisque nous connaît nan mois octobre prochain k'ap gen pou vini la pral gen un nouveau président qui pral présider conseil présidentiel transition alors que même Smith Augustin ça li gagné gros scandale corruption li impliqué grave accusation pesé sous dol qui disposition qui pral prend en dedans conseil présidentiel transition nous pral ba ou détail la caille voisin République dominicaine président Luis Abinader li prend gros décision en faveur Venezuela en faveur peuple vénézuélien alors que même pays Venezuela décidé et mette un babouquette nan relation diplomatique qui gagné entre Venezuela et République dominicaine ou pral konn exactement qui ça bagaille déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter à abonner activer petit cloche de notification comme ça vous prêter connecté avec nous ou pas rater aucun dans vidéo de formation n'a pas gagné pour n'en poster la caille voisin en République dominicaine malgré et Luis Abinader République dominicaine fait partie et deux pays qui ont même pas reconnaître réélection et président Nicolas Maduro dans pays Venezuela, eh bien, malgré les tensions diplomatiques entre Venezuela et République dominicaine, hier, Luis Abinader l'a annoncé, République dominicaine paraît pour prendre bonne disposition pour accompagner les peuples vénézuéliens. Tout citoyen vénézuélien qui trouve en République dominicaine, qui n'a même pas légal, qui n'a pas de papier, eh bien, même Joe Biden fait pour Haïti, eh bien, il y a un programme humanitaire que les pays voisins nous lancent là pour supporter et pour supporter les Vénézuéliens. Alors que, yon l'autre bord, il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont même en situation irrégulière en République dominicaine. Il y a une grosse manifestation qui fait par mon côté, qui travaille, syndicat travaille en République dominicaine, qui a demandé pour et pour immigration pour autorité et immigration reconnaître yo et droit yo gagner pour yo travail ba yo document officiel ba yo papier pour yo travail en République dominicaine c'est police yo té relé pour yo c'est coup de bâton yo té ba yo c'est gaz lacrymogène yo té voyé sou yo alors que c'est haïtien qui a travaillé dans champ dans plantation yo c'est haïtien qui a bay coup mais pour agriculture dominicaine pour gagner image gen là pour ces même haïtien qui a travaillé dans jardin dans champ République dominicaine pour voyer vinn vendre et manger ça yo produit ça en Haïti mais dominicain yo pas haïtien yo pas prend pour moun dominicain pas prend haïtien pour moun c'est même haïtien qui a travaillé dans construction qui a fait bel bâtiment bel building en République dominicaine dominicain yo pas garder pour moun c'est humiliation c'est déception bandi a touye haïtien bandi a kidnapper haïtien zam a sorti en République dominicaine al joine haïtien al joine bandi en Haïti pour touyer peuple haïtien pour appauvrir peuple haïtien
Dominique, pour que j'en comprenne une situation humanitaire. Une situation humanitaire, une situation côté que Haïti a besoin d'aide pour yon bayon un coup de main. Mais non. Journée jodi, hein, alors que Nicolas Maduro li connaît tension, li reconnaît bon tension diplomatique de pays yo, qui s'est fait, eh bien, on regarde Luis Abinader li dou, li vle bay vénézuélien un coup de main. N'ap comprendre que Dominique pa, yo pa reme fòm tèt nou et Dominique yo au niveau raciste la kayo son bagay enragé. Mais nous konnen déjà nous mêmes n'ap goumen pour nous construire la kay pa ou moun pa gon kout l'oreille qui ka empêcher bataille contre système ça qui ka empêcher que bataille l'arrive côté le doit rive ya. Et nous gayon vidéo nous pral partager avec nous nan vidéo si la compatriote ayisyen frè sèm gon jeune petit garçon. Depuis 14 ans, li nan gang. Jounen jodi a gen 17 l'anè sous tèt li. Li gen 17 ans sous tèt li. Li get a regradé, li get a lieutenant, li genye zone la kontrole, se chef zone niye. Ou imagine ou, on ti moun nou pral gade, nou pral tande tout bagay yo, kote ke ou ka un gros grand moun 50, 60 ans, ou ka pi grand pasel, li pa pront pou leve mel frape nan figou, li pa pront pou fè kade jak sou, li pa pront pou kampe la pou di papa kouche pitit, li pa pront pou tou yo pou fè nenpòt bagay. Et lè yo t'a pral pose le question, ki sa l ta renmen genye, ki sa l ta renmen jwenn pou kite metye a. Nou pral sezi tande ki sa l repòn. Et lè m'ap tande, lè m'ap gade video a, mwen menm m'ap mande tèt mwen, eske veritableman gen espoir? Gen espoir pou nèg sa yo pou yo ta chanje metye? Et est-ce que même avec dossier amnistie Guy Philippe lan, gen possibilité pou nèg sa yo ta chanje metye? An nou al gade ensemble avec moi vidéo si la. Piti sa ke nou ap gade sou ekran nou la, li rele ti Blendy. Li se youn nan chef gang kap dirije yon zon nan commune Gressye. Li rive nan NS2 ki se seconde nan lise Daniel Fignolet. Li genye seulement 17 l'année. Jean-Noël Petit là, li pa play du tout. D'après ça que li fait connait, li rentre dans gang depuis là li gagné 14 l'année. Et li fait connait c'est pas li ta vle rentrer la donne, mais ses conditions la vie, ses mauvais la vie qui pousser le rentrer la donne. Et li même aller plus loin li fait connait, li pas encourager aucun petit jeune même Jean Samavel prend chimé ça le prend. Parce que l'gète senti li se yon échec dans la ville. L'gète senti li échoué ensemble avec la ville. Parce que direction ça le prend, li pas supposé prendre. Jean te à l'aise, li te libre longtemps, li pas libre comme ça encore. L'aile de la caille parole, façon de qu'on agit, li pas capable faire encore. Et ça pi terrible dans dossier chef gang Tiblende. C'est parce que Kounia li pa yon sen bandi, grad li monte. Li se yon chef zone. Moun ki pi gran pasel ap koube devan. Et nan moment ma parle la, tout ti bandi noue yo, tout ap goumen pou seul pos. Chef. Et pou yon rive chef yon zone, yon fe yon pil, yon vide yon pil moun ate. Yon touye yon pil moun. Yon kidnappe yon pil moun. Et 10,000 fois, Pito se yon gros chef gang ki pran ou liye se Timon Sayo ki pran. Parce que Timon Sayo pa ki kapasite pou yo réfléchi. Kote yo pou nan fizyo la, se ti kanibal yo ye. Yo pa nan pense yo même. Kote yo pou nan yo tout fizyo yo la ki yo ate. Yo pi kruyel. Lo ap gade yon jeune Timon kon sa. Un bel ti blak kon sa, bel cheveux. Ou el semble moun ki tal l'école. Et puis se kon sa pou la vil al gaspiller. Et mais rete la tale ko sa mbral fè nou gade ak de nawe nou et puis ak tande ak 2 heures nou. Piti sa ki ap explique comment li fè rive vin chef yon zon nan commune Gressye. Bagay yo drôle, bagay yo grave. Yo yon 14 nan gang. Mwen bozo kesyon. Ki sa ki ka fò ki te bon ezan? Sa ki ta fè? Disa ki ka fò ki te manje zan. Même si Kenya ou ta vin sous sol mwen. Ou ta vin sous sol mwen, m pa yo demande zan m pa bay zan, m pa on zan mwen.
Non, c'est pas une question de peur. C'est pas une question de peur. Qui ça, ok, comme on dit, pays a mis dans la situation hier, hein? Qui ça paye en ta supposé offrir ou demain matin pour t'a dit, ok, moi-même, bah, non, faire, bah, non, faire, bah, non, silence. So yes, qui ça demain si Dieu veut payer t'es capable offrir ou qui t'a fait en sorte que ou même petit bambin petit blendé ou décider dit comme ça que ou pas petit blendé encore ou prend vrai non maman pas porter ba ou met au dans droiture ou tu pas que mes amis encore. Mais ça peut faire ça si l'état payer ta propre payer pour stable. Mais est-ce qu'on pas penser que moun comme si par exemple qui manque des armes illégales en d'un pays fait en sorte que l'état pays pas capable vraiment mettre le sous pied? Il capable l'état maintenant. Capable. L'autre dit c'est l'état maintenant, ça veut dire qu'il y a moun dans l'état pays nous? Non, il peut pas faire l'état capé tout le monde dans nous, nous avons choisi pas pour la monnaie. Voilà. Bon là nous sommes attendés un extrait. Qui semble nous comprendre? Qui fait venir avec vidéo aussi là? On regarde jeune petit monde, jeune petit garçon, histoire depuis 14 ans, il intègre un groupe gang et il a 17 ans. Et il sont monde journée aujourd'hui qui gagne responsabilité. Boss gang non, chef plat, patron, il a la responsabilité parce que c'est chef zone. Ou imaginez un jeune petit monde comme ça? Premier réflexe, il dou lui-même, il pas fait lâche. Si Kenya vient dans zone yo mande exam li pa ba exam li toujours dit tête li juré au lieu pour ta père moun li ta préféré fizier tête li etc. Donc moi même ta reme konnen et li dou que pour ta quitter métier l'affaire pour ta changer faudrait-il que l'état ta met stabilité en dedans pays. Mais est-ce que nèg yo comprendre, est-ce que nèg yo konn pour ti temps pour réfléchir pour yo dit tête yo yo même tout yo contribuer dans stabilité parce que nan créer instabilité a yo contribuer nan créer ça nous gen la comme chaos parce que là moi même toujours dit l'on politicien te vinn bon zam on jour oligarque te bon zam on jour te finance on jour mais 5 ans 6 ans 10 ans après ou continuer dans même pratique là c'est parce que ou senti bon certaine rentabilité là dans le bout c'est parce que on sent tout confortable là dans le. Là, est-ce qu'on peut continuer à dire c'est oligarque, c'est politicien? Yo contribué, yo créé mon ça, yo mais mon ça, yo vinn autonome, yo vinn gen indépendance, yo y a fait des faits, yo a touyé, yo a prend des séries de petits jeunes, petits moun, des séries de petits moun et 8 9 ans enfants soldats, yo a entré nan gang, nan yo entré nan mauvaise pratique. Kounya, qui est-ce qui gen responsabilité? À qui est-ce qui fautif là? Qui est-ce qui fautif là? Le nèg yo dou yo te met touye yo la police te met vini rentre touye yo etc. Mais yo konnen yo assure yo que demain bagay la pi mal lan. C'est ça yo fait. C'est ça yo fait. À 17 ans rete chef zone depuis 14 ans lan gang de série de timoun 8 9 ans qui gete intégré gang etc. Ka fait tout tè qui pral grandi nan gang nan pral gen émission qui pral gen responsabilité etc. Nous pensons le pral facile si pas un bon politique qui mette pour résoudre question sécurité à nan pays. Nous pensons le pral facile nan 1 an nan 6 mois pour résoudre ça gen la comme problème. Non, parce que depuis à la base nèg yo assuré yo que yo créé une structure qui gangsterise en dedans pays an. Petit coulier ti moun de bas âge ti adolescent. Donc si on regarde ti jeune ti garçon ça et ti moun qui t'a supposé et a fini qu'a penser qui ça va apprendre demain pour l'utile tête pour l'utile société a pour bataille pour prendre soin tête de manière honnête. Mais non, et voilà, sous ta pose nèg yo question, sous ta pose jeune petit garçon une petite question, qui motif li, qui raison, qui cause journée aujourd'hui en la bataille, qui cause? On ta reme konnen qui ça t'a répondre. Qui cause vraiment qui fait le kembe zam dans la bataille? Est-ce que zam qui nan men là, c'est contre moun yo di ki kembe pays en otage utiliser, contre qui est sur utiliser? Qui motif là, qui cause? Cause en pile. Compatriote Aïssé Fréchem, dans ce sens, nous avons un ministre de justice, cher Mette la loi, Mette Carlos Hercule, qui lui-même lui tape répondre quelques questions.
Et question sécurité pays d'Haïti, il était indispensable, il était primordial. On nous attendait ensemble avec moi qui ça mettre le tapé bay comme réponse puisque déjà m'ka annoncé nous suivons déclaration mini justice et bien question restriction zam et matériel équipement te gagne pour l'armée d'Haïti et bien États-Unis retirer bagay sa yo et bien li possible pour l'armée d'Haïti joindre bon genre équipement pour l'état haïtien acheter bon genre équipement pour l'armée d'Haïti. Donc on nous attendait regarder ensemble avec moi qui ça mini justice lui-même il t'a répondre comme question. Jusqu'à présent gouvernement toujours kembe on se l'approche. Pas question de négocier avec les bandits. Il y a possibilité de dialoguer ou bien déposer les armes ou bien rendre tête nous ou bien nous mourir ou bien arrêter nous. Qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que le gouvernement privilégie dans la lutte pour démanteler ou bien pour que la paix et la sécurité rétablissent en Haïti? Qu'est-ce que nous privilégiez? Jean-Premier ministre l'a dit là. Je dis à Gonçol Bagay. Moun ki gen zam nan men yo, yo gen pou yo depose l, reconnaître l'autorité de l'État. Mais moi, ça fait quelque temps, oui, ministre, sou, a dit ça. Oui, mais sou pa vle depose l, le sa, y a pren la moun, wap démobilise. Wap démobilise. C'est ou bien ou fait le volontairement, ou bien yo pren la moun. Parce que l'autorité de l'État doit être rétabli. Et ce gouvernement travaille pour rétablir l'autorité de l'État. Je dis, en plus là, il n'y a pas tellement de gros espoir sur Kenya Okila, par le fait qu'il y a plus de mois. Il n'y a pas senti que Geneva a fait vraiment. Peut-être que c'est une approche où on est capable de dire qui n'est pas fin exact, qui peut-être capable pas exact. Mais tu me profites de la question ça pour me dire, est-ce qu'il y a un clin d'œil sur l'armée? Est-ce que l'armée, en plus du remaniement que nous dit qu'il parle fait dans la tête, li, est-ce que nous prenons effectivement impliquer l'armée dans la lutte pour la paix retourner dans le pays? Même si je ne suis pas ministre défense, je suis ministre justice, sécurité publique, mais les informations, elles sont aussi publiques. L'armée d'Haïti lançait déjà un recrutement. Il y a un lien déjà pour nous capables de renforcer l'effectif. Donc, l'effectif de l'armée a renforcé, même genre l'effectif de la PNH l'a renforcé. L'armée est à pied d'œuvre. L'armée vient toujours en appui aux forces de police. L'armée est toujours là. Monsieur le ministre, l'armée est toujours là. Comment nous sommes en train de recruter? Je ne vais pas dire le chiffre, mais c'est sûr que très prochainement, il y aura les nouveaux soldats ou bien cadets, par contre, comment il y aura le à l'œuvre. Ça veut dire que la sécurité publique, c'est la priorité des priorités du gouvernement. Nous faisons tout ce que nous devons pour donner la réponse, pour donner la réponse idoine à sa pays à vivre là. Nous engager nous dans ça. Nous engager nous. Mettre Hercule, question de l'armée résoudre pour l'armée? Est-ce que l'armée n'a pas de problème de l'armée encore? Donc nous avons une possibilité de faire acquisition. Oui, c'est résolu. Finalement, c'est résolu. C'est une bonne nouvelle, oui. Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est résolu. Qui pays qui a... Je ne dirai pas davantage, mais c'est résolu. OK, très bien. Je me contente de ça. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'hôpital général? Primature, en version. La police, en version. Tu as un journaliste étranger qui est là. Il a même dit que... C'est lui-même qui t'a que premier ministre t'a baillé interview version pas journaliste non reportage que le faire est totalement différent de version officielle des faits. Je suppose que le ministre de la justice si premier ministre là en côté il est capable là il est pas obligé là mais il est capable de là comme la presse haïtienne
pas souvent invité, le gouvernement pas souvent invité toute la presse dans l'activité Lyon. Qu'est-ce qui s'était passé, monsieur le ministre? J'étais présent. Vous étiez présent. Oui. Partagez avec nous ce qui s'est passé. Ça a été une entrevue d'environ 45 minutes. Attendez, oui, pays. À intervalle de 10 minutes, il y a eu deux détonations. Deux coups de balle. À intervalle de 10 minutes, il y a eu deux détonations pendant qu'on était à l'intérieur de l'hôpital. Mm-hmm. Interview à camp fini. Le premier ministre a mis une à deux minutes pour remercier les journalistes de CNN. Je l'ai raccompagné dans son véhicule. Le directeur de la police m'a raccompagné dans mon véhicule. Lui-même lui monté véhicule pâle. Cortège l'a ébranlé. Lorsqu'on remontait du côté de la rue Saint-Honoré, et là, on a entendu, en tout cas moi j'ai entendu, des détonations, de fortes détonations. Là, plusieurs coups de feu. Mais pendant l'interview, jusqu'à ce que l'interview a fini, là, je vous décris l'ambiance. Mm-hmm. Je vous décris l'ambiance. Moi, je ne m'étais pas de raison pour m'inquiéter. Pas de sentir ou menacé? Non, mais pas de ça du tout. Pas pour qui ça me sentir menacé. D'ailleurs, tout le monde qui était là, c'était un événement si bien dans l'hôpital là, où t'as entendu que nous t'es couché à terre, bagaille comme ça, pour nous protéger. Yo. Même journaliste là, d'ailleurs, les images qui circulaient, yo, est-ce que nous, sous figure moun qui tend dans yo premier ministre journaliste, est-ce que moun yo te gon inquiétude? Non, ça avait pris fin. Sauf que m'te quelques images moi gon un policier même blié zamni, li retourner à porte, m'a tendé des bagages. Est-ce qu'on va dire nous que ça a passé avant ou bien après? Après, parce que le nous-même nous en dedans, nous quitter les lieux, évidemment ça va gagner. Moi donc seulement le n'a sorti, le n'a monté rue Saint-Honoré, m'tendé plusieurs détonations qui est différente de ça qui était passé en dans l'hôpital là. Parce qu'en dans l'hôpital là, ma propre entité gagne deux détonations et l'y fait à un intervalle de 10 minutes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on va dire... Bon, faut te camper là, parce que moi, je ne suis pas fin trop comprendre. Ministre, je ne sais pas si clair, mais je ne suis pas fin trop comprendre. Ministre, il fait me sou, bah, c'est sérieux. Pendant l'hôpital général, là, ouais, le nèg yo a bayi et menti. Des fois, vérité a gon façon le rattrapo de manière brutale, ou pas même rendre compte. Ouais, le commencement dit, et interview a campé, et puis le dit le fini, interview a terminé. Parce que, nèg yo connaît parfaitement bien que interview que premier ministre Gary Conille te vin bayi CNN, l'interview a pas fini. C'est campé au campel pour yo justifier te gagner deux détonations, deux coups de balle. Ministre justice li reprend in texto ça qui te dit nan communiqué que primature te mettait dehors côté yo te tendait seulement deux coups de balle well qui tirait et puis yo évacué premier ministre, interview te fini, etc. C'est leur arrivé dans rue Saint-Honoré qu'on y a pral tendé plusieurs détonations. Ça veut dire on rafale balle, on rafale cartouche. Mais, OK. Comme si, bon, OK. On nous prend hypothèse, c'est avec, par contre, on 9 mm bandit au tiré. Ça veut dire, bandit qui veut simayer la terreur, ben là, il a fait chaque jour. Yo koumoune policier Kenya dans les parages, yo koumoune gen diverses unités dans la police qui dans les parages. Yo konne gen plusieurs officiels qui dans les parages. Et puis pour ta dit, nèg yo chaque jour bon Dieu mette, yo a pu utiliser gros armes automatiques sous population. Yo a pu utiliser gros armes automatiques sous malere malerez. Et puis toute autorité sa yo là, c'est seulement des coups de balle. Yo tande, bon, à qui zam yo de tire des coups de balle sa? On 9 mm, on 38, on zam créole, bah konne non? Parce que on nous c'est des coups de balle gros. Ça veut dire y a pas tendez armes automatiques jusqu'à ce que interview a fini, y a évacué PM. Hey, oh madame. En tout cas, on va se parce que quel bye. Ministre va raconter nous qui est beaucoup plus intéressant. Donc le journaliste de CNN aurait exagéré ou tout simplement aurait menti. Je vous raconte les faits.
tels que moi, je les ai vécus. Et pas que c'est moi-même seulement. On bagaille qui simple. Est-ce que journaliste là t'es senti en danger? Moun qui t'ensemble avec, est-ce que t'es senti en danger? Est-ce que gon à aucun moment, nan moment ça que nous-mêmes, jusqu'à ce que nous monter machine nous aller, est-ce que vous même yo t'es senti au paniqué? Auquel cas, yo couru pour y monter machine pa yo? Mais monsieur le ministre, est-ce que vous reportage journaliste non? J'ai vu certaines images, mais moi-même ça m'a raconté là. M'a pas gon image qui ka montrer que de l'heure nous même nous commencer interview à l'heure nous finir nous entrer dans machine premier ministre prend machine parle li monter avant moi même mon machine pam chef police la vienne dans machine parle de dans moment ça yo moi même personnellement m'pas question inquiété à m'battre pour qui raison pour t'inquiété d'ailleurs son visage pour nous après clair sauf le n'a monter dans rue Saint-Honoré moi entendre des détonations. Question d'actualité, monsieur le ministre, c'est l'état d'urgence décrété par le gouvernement. Nous, en plein état d'urgence, si je bien comprendre, qui côté nous y est avec l'appareil judiciaire, la mise en branle, je dirais, de l'appareil judiciaire? Très bien. L'état d'urgence lancé en outils que la loi permette que yon pouvoir capable d'utiliser pour li accélérer une série de procédures leur gon situation qui mandé ça. Donc c'est dans ce sens ça gouvernement te comprendre nécessité face à défi que l'a confronté jodi à là, il prend état d'urgence là pour nous permettre nous gagner plus de outils, plus de possibilités. Et qui bon nouye nan question justice, c'est ça la question par rapport avec l'état d'urgence là. Eh bien, au niveau de la justice, nous gen deux bagay qui fait. D'abord, gen yon une cellule anti-gang qui créé, qui pral permettre que justice là li accélérer dans cadre de lutte cap mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité, et nous mandé tout dans cadre état d'urgence là à autorité judiciaire qui dans arrêt de travail nous mandé au pour camper arrêt de travail là pour capable rendre disponible pour procédure accélérer ça yo pour des zones bien ciblées, pour des juridictions bien ciblées, pour que yo même yo capable fait de manière à ce que qu'on réponse idoine. On parie déjà qui gagner, on parie déjà qui gagner. Monsieur Grévisio a annoncé qu'il relevait grève là, ne serait-ce que dans zone qui était concernée par l'état d'urgence. Oui, mais nous mandé yo pour yo faire ça, nous adresser nous avec toute commissaire yo n'adresse dans toute autorité parquet yo parce que li yon impératif pour que moun qui en contravention avec la loi, moun qui gen problème avec la justice yo fixé sou sa yo, et ça fait trop longtemps moun sa yo yo pa konnen exactement qui ça dans qui statut que yo gagné. Donc question détention provisoire prolongée a li participer de la tout le que autorité qui l'a pour faire poursuite yo pour yon raison qui en apparence pas en apparence qui pour des revendications qui fondées mais yo pas capable bloquer le cours de la justice là. Ce ne sont pas seulement les juridictions de première instance de Port-au-Prince, de la Croix des Bouquets, des Gonaïves qui doivent viser. C'est l'ensemble des juridictions, on l'a dit 18 juridictions. Le dernier communiqué qu'on a fait sortir, c'est ça qu'elle dit. Il est adressé là avec tout commissaire gouvernement, puis on mettait fin avec grève là, pendant que nous-mêmes, nous reconnaissons justesse. Revendication yo a, et toute disposition prend pour que dans le meilleur délai
yo gagné satisfaction. Mais ceci pas capable d'empêcher cela. Avant même que ça yo matérialisé, nous mandé yo pour yo suspendre grève là, pour yo remettre au travail. D'ailleurs, on a perdu le mois de juillet, qui est généralement consacré pour les assises criminelles. Présentement, nous avons 64 dossiers viol qui sont en état, des mouns qui commettent des crimes de viol sur des mineurs, sur des femmes, que yo doit fixer sous soyo. Jusqu'à présent, rien n'est pas capable de faire. Donc, dans le cadre politique, le gouvernement a mené dans sa crise les violences sexuelles basées sur le genre, nous dit que la question ça, c'est pour aborder en temps réel. Et ça fait nous profiter pour nous dire, c'est pour lever grève là et nous pas attendre nous à ce que d'ici la semaine prochaine, l'audience reprenne. Monsieur le ministre, en termes de, pas dire en termes de violation de droit au monde, mais en termes de droit dont on ne va pas tenir compte pendant l'état d'urgence, est-ce qu'on a en tête ou quelques années? Restriction des droits. Est-ce qu'on a en tête ou quelques droits que n'a passé outre yo pendant la période d'état d'urgence? Oh, en fait, li circonscrit. L'état d'urgence là, li décrété sur deux départements. Les concerner des localités bien identifiées, des communes bien identifiées. Donc, ce n'est pas sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas sur l'ensemble des départements, gagner des localités et des communes qui sont très ciblées. Certainement, gagner droit qui suspendent pour localité ça. Par exemple, droit pour faire une réunion. Mais nous dit que c'est une réunion qui a caractère subversif, soit font manifestation à caractère subversif, eh bien, c'est le lagayen pour demander autorité yo camper, doit ça suspendre. Est-ce que nous comprenons? Là nous dit même le, c'est pas que bagay doit faire réunion, non? Mais depuis nous identifier que réunion ça li con caractère subversif, y a camper. Y a camper. Maintenant, doit de circuler par exemple? Non, on peut circuler sans problème. Par contre, on est capable dans ce circulaire là qui dit que on machine dans périmètre ça au cap circuler à 100 plaques d'immatriculation ou bien avec une plaque qui périmé, et bien machine ça lui-même l'a fait l'objet de saisie. Mais si c'est pour circuler, on peut circuler sans problème. Ça qu'arrivé que gouvernement décrété couvre-feu, mais jusqu'à présent c'est pas le cas. C'est pas le cas. On nous fait un petit peu de mini-justice là. Parce que, il y a un plus gros problème avec l'autorité. Et ce n'est pas la dernière autorité dans le modèle mini-justice qui pensait faire bataille pays ou bien mettre justice en le pays, en mettre l'autre dans des autres, sans question de littérature, sans question de vin faire zuzu, vin dire deux mots, trois paroles. Je ne j'en dis, dans le stade d'Haïti, dans le stade pourri, tu nous y es là. On parete quoi parole ka résout za nou gen la sinon que action poser action montrer peuple montrer population montrer moun nan deux départements ça que nous circonscrit côté nous décrété état d'urgence sécuritaire là montrer qu'on bagay ka fait lò vini en tant que ministre de la justice ou accepter que gen des droits et libertés qui restreint nan cas d'état d'urgence sécuritaire là tant kou et réunion et manifestations, etc., nous limiter li parce que nous estimer yo a caractère subversif et yo ka menacer ordre public établi, yo ka menacer et couvre-feu que nous estimer et qui doit respecter, etc. Côté que moun pa gen droit circuler avec machine sans plaque, OK, pas de problème, d'accord. Mais depuis le couvre-feu, depuis le et disons état d'urgence sécuritaire l'en li prend, combien bandits nous rivé atteindre avec mesure ça yo? Combien présumé chef gang nous rivé intercepter, nous rivé arrêter, nous rivé stopper avec mesure que nous prend yo? Parce que hier m'a regardé une vidéo, malheureusement pas gen vidéo là pour me partager avec nous, pas mettre li. M'a regardé des séries de moun qui yo même yo victime côté que yo accusé policier qui plate caoutchouc machine yo.
des séries de gros camions qui transportent des marchandises. Ils estiment que, et ils ont dit policiers, plaques caoutchouc, machines, les policiers ont fait abus, les policiers ont fait injustice. Les gens n'ont mis la population civile là. Alors que bandi yo yo même n'a dit et moun pa doit circuler n'importe qui. Je bandi yo pas besoin ni plaque. Bandi yo pas besoin ni autorisation la police. Yo pas konn ni couvre-feu, yo pas konn ni état de sécurité, c'est la loi bandi. C'est ça qui d'application. Et peut-être nèg yo capable accepter, yo capable vraiment comprendre que journée jodi an l'état yo même comme dirigeant, yo même comme et officiel, yo perdu contre la situation, mais pas aucune situation que mettre quand le circuit li kavin là pour la expliquer et oui, faut couvre-feu respecter, faut droit ceci respecter, yo restreint droit et liberté etc. Non. Ça c'est pour amuser la galerie, mais au fond, pas rien qui prend comme décision, comme disposition dans l'état de juge sécurité là qui respecter, sinon que moun nan mi ta population civile la kap toujours paye pot kase, kap toujours victime parce que bandi yo, le nèg yo monton pick-up la, yon 10 nèg ak gros manche long, plusieurs bo kit katouche ki nan nan pick-up la, yo kwaze avec ou back-up la police, le yon pete coup de balle, qui est-ce kap kouri? En pile soi, c'est policier yo fè kouri, oui parce que policier yo, le yon mande renfort pa karive yo la gepye yo, bandi yo toujours rete sou place, bandi yo toujours ap boule commissariat, boule sou commissariat, oui. Nan boule figi la police, nan boule figi premier ministre, ministre justice, DG la police. Oui? Donc, nous voulons nous commencer à comprendre que nèg yo, le yo gen modèle discours sa yo, yo gon discours, et pour yo vendre une apparence, pour yo vendre une image de yo même, de yon pouvoir qui a fonctionné, de yon pouvoir qui a bay résultat. Mais au final, est-ce que depuis week-end, nan nèg 400 marozo yo kontrole douane Gantia, qui sa ki fait? Douane Gantia yo rive fon inventaire, est-ce que te gen service renseignement qui te di yo Douane Gantia nèg yo pas tout profiter vin récupérer cargaison bal yo cargaison zam yo yo te voye pou yo bien ki t'a pral passer. Donc ça ça vle nous comprendre nous brige nous. Lè nou nèg yo vini bien costumé, ti figi yo bien frais, yo vini vin bay peuple la parole, vin bay pays en parole, c'est pas tout ça yo di ki la vérité. Parce que c'est des séries de monde qui gagne les mots juste pour venir et amuser la galerie, pour venir détourner attention nous de véritables problèmes structurels qui gagnent dedans l'État. On va si on continue à attendre et je mettre la loi. On a... Donc c'est là comme provision, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Tu as gagné une annonce que le gouvernement a fait, côté que tu as accordé 8 jours à des mondes du centre-ville pour déguerpir parce que. Gouvernement pas entré en action dans le cadre état d'urgence là. Bon, par contre, c'est parce que je suis au Delma et que Tagéba a fait dans cette ville, je suis pas au courant, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui fait, monsieur le ministre. Ça, c'est le ministère des Travaux publics qui prend un communiqué parce que, pas oublier, gagner une bonne partie au bas de la ville qui déclarait d'utilité publique depuis après le tremblement de terre. Mais il arrive que le projet ça yo, que le gouvernement antérieur a été gagné n'a pas matérialisé. Qui permet de gagner des gens qui, malgré que yo recevoir indemnité parce que yo exproprié pour cause d'utilité publique, mais yo été ou bien retourné sur les lieux ou bien yo été sur les lieux. Maintenant, dans le cadre opération de déblaiement que l'État lui-même l'a entreprendre à travers surtout le ministère des Travaux publics, eh bien, ce ministère a fait un communiqué laissant un délai de 8 jours aux occupants de ces zones de les libérer. Maintenant, si on pas libéré, il y a pas obligé de guerpiller. Monsieur le ministre... Donc, c'est pour avoir plus d'espace. OK. Maintenant, je vais plus s'adresser à ministre Sécurité publique, là. En plus, l'Haïtien, Jodian a posé cette question, ou bien a remis en question les opérations des troupes kenyanes, policières, ou encore PNH et même des forces armées, toujours dans le cadre de l'état d'urgence. Moi, j'aurais quoi que il était supposé ou ouais, plus mouvement dans le pays. Il n'a pas senti que force de l'ordre a bougé vraiment. Et bandi yo continue à valer terrain, mais yo poko senti réaction des forces de l'ordre. N'attend longtemps toujours pour nous sentir, pour nous ouais opération yo, monsieur le ministre. Wendell,
li compréhensible que population li exprime yon impatience par rapport à ça que l'a vive, par rapport à ça que tout pays a vive. Mais les forces de l'ordre, appuyées par la force kenyane, ils ont fait de leur mieux. Et si que yo pas présent dans une série de situations, nous t'es capable pas de cacher là. Maintenant, l'immensité du problème pas permettre que qu'il y a des actions qui visibles ou bien qui répondent avec satisfaction population. Mais il y a eu pas mal d'interventions, pas mal d'actions qui posaient. Mais on va comprendre que ça a besoin en termes de résultats. Nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Parce que ça a besoin comme résultat. C'est vous-même qui n'êtes Jacmel, vous êtes capable de aller. Le temps que ça va arriver, quel que soit son taouéa, ce ne sont pas des résultats. Ce ne sont pas des résultats parce que la finalité, objectif là, il ne peut pas atteindre. Mais ça pour mener avec là, yo enclenché. Mais arriver avec là, ça prend un peu de temps. C'est ça qui fait. Malgré impatience population, malgré justesse, inquiétude liée, mais nous obligés de demander encore un peu de patience, mais seulement un peu de patience, mais aussi un engagement, un accompagnement. Voilà, ministre justice a mal parti parce que pendant la demande de patience, moi j'étais vraiment impatient pour me couper la parole, pour me camper ministre justice. Parce que ministre justice lui déclarait des bagages qui fait tellement gien pile bagage qui fait ça fait yo pas vraiment fait écho, yo pas vraiment parlé de manière significative. Mais comment on peut dire des bagages qui fait pendant que ou même encore ou accepter réalité hein? D'autant que moun pas capable Matisse d'autant que moun des milliers d'haïtiens qui courent quitter caillou pour bandi yo pas ka retourner la caillou alors que premier ministre li fait nous promesse caillou par caillou quartier par quartier ville par ville li pral remettre sécurité en dedans pays hein li pral blay sécurité en dedans pays hein et jusqu'à présent jusqu'au moment n'a parlé à la nous pas wè rien c'est exactement le contraire de sa paix bon pas dire le contraire m'pa konnen ki objectif ki missionnaire yo mais c'est Jean PM nan te di l'an moi bandi yo a exécuté l c'est kay pa kay quartier pa quartier ville pa ville yo a mette moun dehors continue mette moun dehors continue défier l'ordre public établi et puis pour ministre justice paysan responsable sécurité publique paysan pour le ta vinn di nou la continue prend patience continue et garder calme nous etc etc et puis on pral vinn avec discours MPP mariage police population on police qui on population qui décrié qui aux abois on population qui pas connaît qui est pour le vie et puis qu'on y a n'a parlé n'a demandé moun yo prend patience toujours oh mon dieu non ça même n'exacte qu'on a dit Ariel sadique Ariel cynique Ariel a dit moun yo prend patience en situation de crise en situation d'urgence mais yo pas venir faire autrement non prend patience parce que la question de sécurité, ce n'est pas une question exclusivement police nationale. Ça devient une responsabilité partagée. Nous comprenons que la police, faut que les forces de sécurité, je voudrais dire, faut qu'ils fassent tout ça qu'on est, mais il faudrait qu'ils soient supportés aussi par la population. Si que la population pas accompagnée, force là dans ça que l'a fait, eh bien, nous pas besoin de résultats. C'est dans ça nous y là, je dis là. Mais oui. On a peut-être longtemps encore. Est-ce que j'entends des paroles lui abdiant, nous obligés d'attendre septembre, par exemple, pour nous commencer à ouais, Kishoy. Et deuxième, ça, d'après moi, ouais, avec vous, le Premier ministre a dit que c'est comme si nous avons dit là, la bataille après longue. Nous n'avons pas garanti que Batel n'a pas le coup d'après parole que l'a dit. D'ailleurs, lui-même soutenu parole ça avec référence à l'autre pays que dit que même malgré moyens que il a passé nous, il prend du temps, il prend plus de temps pour y gommer. Donc ce qui laisse croire
que nous sommes capables de commencer à avoir un petit résultat, mais il faut attendre un peu. Combien de temps? Garantie que je suis capable. Chaque jour, qui mettait, gagner des initiatives, gagner des actions, gagner des moyens cap dégager. Et ce, des moyens locaux. Le que Wapton extérieur, li prend temps pour venir, mais nous-mêmes, nous pas croiser bras de Wapton. Nous prenons des dispositions à l'interne que nous pas besoin abdi nous. Là, l'État pas arrêté Wapton. L'État li actif. L'État haïtien, à travers ce gouvernement, est actif. Mais j'aime ça dire tout à l'heure, le problème est tellement énorme. C'est difficile pour nous, oui. Ça cap fait, yo. Pour nous arriver à atteindre l'objectif là. Mais c'est une progression. Pas gay, ni camper, ni faire marche arrière. C'est une progression. Mm. Pour progression, son progression n'est pas rapide. Mais nous-mêmes, nous pas camper. Est-il vrai, monsieur le ministre, que nous avons des problèmes de matériel et d'équipement, malgré tout ça, nous avons des blagues. Est-ce que c'est vrai? Toujours qu'il y a un problème de moyens. Toujours qu'il y a un problème de moyens. Mais nous-mêmes, le nous fait face à un problème, non? Qui ça nous fait? Nous prendre disposition pour nous renforcer. Mm-hmm. Toujours qu'il y a un problème de moyens. Peut-être même Kenyan, il dit qu'il y a un problème moyen. Et je ne suis pas au courant. Ou pas au courant. Pas au courant de ça. T'as le. Voilà, ministre de justice a montré ces bagailles bluff qu'a réglé net. Comme si ministre de justice en cabinet, il pas gagné une équipe de communication le matin qui pour faire un briefing pour lui qui pour dire et monsieur le ministre, mais qui article qui sorti dans tel média, mais qui article qui sorti dans presse internationale là, mais qui ça t'a dit dans Miami et Miami Herald. Côté que, il y a un responsable de la force multinationale qui déclarait la presse internationale, par Miami Herald, que y a un problème avec Chayo, etc. Chayo n'a pas de tour de contrôle, il n'a pas calé dans l'opération, c'est ça qui fait, il a été failli dans l'agression, etc. Ça veut dire, le ministre de Justice veut faire nous comprendre, il n'est pas au courant de déclarations de l'article qui sont dans Miami Herald, côté que l'autorité police kenyane dit blindé yo ba yo pour mener opération là, yo pas ka remettre rien avec. Donc là ça veut dire nèg yo prend nous pour bon macaque. C'est Jérôme G yo pas acheté figue, yo pas commandé, yo pas yo pas importé figue dans l'autre pays là, vinn débarquer, vinn et commencer distribuer ba nous pour dire nous c'est des macaques. Nous comprenons, nous pas connaît. Pour yon dit nous exactement, mais pour qui ça yon prend nous, mais pour qui ça yon considère nous. Avec dit là, menti n'a fait. Menti Miami Herald a fait, menti, pas de n'yabara exacte. Ok. Ok, monsieur le ministre, on prend question pénitentiaire nationale qui écrasé. Plus de 3000 évadés dans la nature. Mm-hmm. Selon données officielles, je ne sais pas quoi, 150 qui récupéraient, qui ont capturé. Qui ça cap fait? C'est vrai qu'on part là, nous comprenons ça, mais pour le pénitentiaire, à supposer que ça passe, état d'urgence, ça permet que nous arrêtions en pile prisonnier, est-ce que nous prévoyons à côté de la météo? Bref, est-ce que nous avons un rapport déjà sur ça qui véritablement est passé devant pénitentiaire national et quoi de bouquet aussi, côté que prison est écrasé? Dans l'état actuel, nous gagnons deux initiatives. Il y a la prison des femmes de Pétionville. Une évaluation qui est faite. L'unité d'études et de programmation du ministère li fait une évaluation pour louer qui ça qui gagne pour faire pour le rénover pour les capables de recevoir les femmes qui sont présentement à Sermécole. Ça permet que espace Sermécole la libéré pour timoun yo qui dans Sermécole qui sont centre de réhabilitation puis yo capable continuer programme de rééducation, réhabilitation, sans problème. L'apprêter le problème des hommes. Maintenant,
approche OA, qui est très pertinente. Les repris de justice qui vont être récupérés, il y en a qui sont déjà récupérés, qui pas nombreux, mm-hmm. je vous le concède. Il faut gagner. Il y a des gens qui ont quitté le pays à tout. Ce qui est à prouver, moi, je ne sais pas si c'est moi. Bon. Maintenant, on est sur le pénitencier national pour regarder quels sont les bâtiments qui peuvent être réaménagés pour accueillir les nouveaux ou bien les repris. Nous gagnons pour nous garder vraiment espace-là, en fait, pas dans sa globalité, parce que comme nous connaissons, ce bâtiment est construit depuis l'occupation américaine et l'îlot qui vient gagner à côté de lui fait que il n'est pas répondre encore avec norme pour gagner un centre pénitentiaire en plein au cœur de ville comme ça. Semble-t-il, faut qu'il déplacer. Il semble toi annoncer une bonne nouvelle là. Donc pénitencier national pour côté lien, il n'est pas approprié, il y a possibilité pour prisonniers, pour détenus pas jamais retourner là-dedans encore. Donc ça fait très longtemps que gagner un projet pour ça. Projet ça là. Ça fait très longtemps. C'est pas ça gagne plus que 10 ans parce que toute étude montrait place n'est pas là encore. Mais il faut répondre. Est-ce que bateau problème by... immédiat yo. Est-ce que bateau bay bandi yo gain de cause, est-ce que bandi bateau gain l'état lorsque c'est eux même qui par opération yo contribuer à faire déplacer le centre pénitentiaire le plus important. Non. Ce que je suis en train de dire là maintenant, nous sommes en train de regarder quels sont les espaces non pénitencier national qui est capable de réhabiliter pour accueillir les repris et les nouveaux. Mm-hmm. C'est ça, nous dit, parce que ça va demander nous pour le déplacement, alors qu'il y a une urgence, il faut qu'on ait un côté pour mettre les gens. Donc c'est sur ça que nous travaillons là. Et il y a des montants qui sont déjà disponibles, que moi garder pour me faire chiffre là. Donc il suffit, étude là, évaluation fin faite, et puis pour travaux ça, même, il redémarrer. Mm-hmm. Voilà, nous attendons tout détail que le ministre de Justice, M. Carlos Hercule, lui-même lui tabaille sous plusieurs points extrêmement importants. Donc, le ministre de Justice lui-même lui dit pas de camper, pas de faire bac, et il est sous bonne voie. Pour lui, oui, bien entendu, il est sous bonne voie. Tout le bagage a bien passé, tout le bagage a bien marché, et plan il a exécuté. Et gen bagay ki fait pou yo gen gros bagay ki fait si m ka fè confiance est-ce que m fè confiance non m pa fè confiance mais suivant sa mini justice a dit gen gros bagay ki fait mais tellement gen en pile bagay ki ta dwe fait si ça fait là li noyer nou pa ka wèl ben c'est pas à pas yo mande population yo mande peuple haïtien pran ti patience toujours jou ma imite mais quand même y a privé. Et bah nous on allait mieux, bah nous on souffre avec bandi ou avec gang qui a terrorisé population. Ça nous attendait mini justice. Mais faut que moi dis nous bataille qui gagne entre équipe premier ministre Gary Conil avec des observateurs de ça qui a passé, gens équipe qui sous pouvoir appréhender question politique là, gens yo appréhender question sécurité là, nous gagne ancien colonel Imler Rebu qui lui-même li parle et li pas raté occasion pour le mettre dans bol pour le mettre bagaille dans mes premier ministre Gary Conil. PM nan dit qu'il y a des experts, est-ce que expert ça c'est bon cathédrale et PM nan te al fait pièce coller au pour parce que suivant ça colonel là bail comme des détails là ou pral tande c'est comme si tout ça qui t'a supposé fait pour mettre sécurité en dedans pays là. Équipe consultant, équipe expert, premier ministre Gary Conil dit le gain là, yo fait exactement le contraire de ça qui t'a dû fait. Donc dans ce sens, les nègres ont demandé nous prendre patience. Ça me gagne impression chaque stratégie yo mette en place, yo démonte le, yo démonte pour zone là pour yo reconstituer parce que expert ça c'est des experts bon cathédrale collé piécé et c'est des experts et tête en bas suivant sa colonel lundi que Gary Conil semblait a utiliser dans problème dans crise de sécurité qui gagne dans pays. Nous prenons le temps de rapide vite quelques petits détails que me juge extrêmement important pour nous partager pour nous tendre tout et n'a comprendre je n'ai décidé mener bac payant
et bah yo a compliqué chaque jour dans mes équipes qui sous pouvoir. On doit attendre intervention colonel Imler Rebu. Vu expérience ou vu connaissance ou ou pas jamais raté occasion pour essayer garder en profondeur phénomène insécurité à dans pays depuis pratiquement 5 dernières années ça au cap près des proportions spectaculaires ou branché même Jacques nous image probablement vienne joindre nous même Jacques nous ou tendez ça qui passé Gatier ça qui passé Grissier et ou tendez probablement qui sa réaction la policier donc qui est lecture colonel Rebu par rapport à tout ça m'a vivre un très grand désarroi. Parce que moi j'étais bien tendu le premier ministre te dit ça dernièrement là il t'a parlé avec Caraïbe affaire sécurité en pays qui pas affaire la police nationale d'Haïti. Il m'a dit d'abord un concept doctrinal. Ça veut dire que moun kap dirige pays yo qui position yo qui pense yo sur question sécurité a. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dirigé le pays, c'est eux qui ont orienté. Si vous n'avez pas un concept doctrinal par rapport à un problème, entité, la police, l'armée, ce sont des entités d'exécution. Le monde qui a dirigé le pays a fini une approche doctrinale. C'est ça que ça veut dire. Il y a un groupe bandit qui vit l'âge de Dieu, par exemple. Est-ce que notre gouvernement force yo qu'il doit entrer au crasé village de Dieu? C'est une option doctrinale. Parce que force cap agir pas responsable. C'est moun cap dirige pays qui est responsable sur le plan politique. Parce que ça force après le faire, c'est une décision que moun politique yo prend ou bien une décision moun politique yo pas prend. C'est là moun politique yo fin défini doctrine yo. Il y a une série de stratèges qui déterminent qui méthodologie on peut utiliser pour aborder les problèmes pour les résoudre. Et vers ça, il y a une force d'action, que ce soit la police nationale, que ce soit l'armée d'Haïti, que ce soit tout Kenya qui là, ils viennent monter une opération en fonction de données que le chef a décidé. Bon, faut se camper là pour me guetter rapide vite et ben non quelques petits détails. Le colonel Imler Rebu a parlé de qui doctrine équipe qui en place pour l'utiliser. C'est comme s'il te cap dit qui grande ligne directrice que yo pral appliquer. Qui ça yo pral prendre comme mesure? Qui plan yo gagné? Qui stratégie yo pral mettre en place? Est-ce que gon volonté pour combattre gang yo? Si oui, pas A plus B, mais comment vous pral fèl? Sinon tout, mais qui ça vous pral fèl? Mais comment vous pral kopé? Mais qui comportement vous pral gagné? Donc, là, la parle de doctrine que et groupe en place vous a gagné pour vous appliquer, pour vous mettre, pour vous considérer, etc. C'est de ça. C'est plus dans ça qui gagne pour avec stratégie, volonté et mise en place, choix que acteur vous a gagné pour vous faire. En nouveau. Maintenant, pour troupe vous prend décision. Ce n'est pas volontaire seulement pour vous gagner. Il faut que vous gagnez les moyens. Par exemple, nous avons entendu un demi-scandale qui passait justement dans l'affaire Gantier. Côté troupes, vous avez arrivé. Et puis, les offres font une journée d'opération. Nous avons souhaité pour vous dormir, vous n'avez pas de matelas, vous n'avez pas de manger. On n'a pas jamais engagé un troupe dans l'opération sur le terrain. Sans que paragraphe 4 là, qui est partie intégrante de tout processus opération, va répondre. Il faut répondre qui bon est abdomen, qui j'en est abdomen, qui boit à boire de l'eau, qui dispositif qui a gagné pour manger. Sinon, ou pas une opération, on va faire jouer. Maintenant, je vais arriver là. Et témoigner, premièrement, nous connaissons que le monde qui a dirigé. Et là, m'a cité directement Edgar Leblanc-Fils, qui est président pays à Rodia. M'a cité Dr. Gary Kony, qui est premier ministre. Nous connaissons même si vous avez gagné bonne volonté pour avoir des questions. Nous n'avons pas autour de nous aucun monde qui a pensé
sur le plan stratégique et sur le plan tactique à problème qui est là. Donc c'est évident que nous n'avons pas de solution du tout. Maintenant, malheureusement, vous comprenez que l'affaire sécurité est capable de régler dans la propagande. Et les gens qui font propagande qui sont plus intelligents sur ce sujet là, c'est malheureusement bandit. C'est eux-mêmes qui t'ont dit que Kenya a fini. C'est eux-mêmes qui mettent une stratégie en place pour tester, pour ouais, si ce qui est Kenya au camp vraiment. Ils ont fait une balade de provocation sous gouvernement. Ils ont posé une première action à la Croix des Bouquets. Ils ont posé une deuxième action dans l'autre pointe territoriale vers le sud. Ils ont posé une action dans Pétionville. Yo descend Gantier et parce que yo fait avec une stratégie pour forcer force yo courir derrière yo. Excusez. Cela veut dire que yo obligé force yo déployer dans plusieurs directions en même temps. C'est pour cap tester effectif yo. C'est pour cap tester capacité de répondre yo. C'est pour qu'on teste la qualité matérielle et l'équipement. Et l'Europe suive séquentiel que vous utilisez, vous entrez dans un séquentiel rationnel. Vous pas agi seulement, mais vous parlez tout. Vous faites ça avec la communication de guerre. Si vous attendez type communication, monsieur qui a pris les bandits, vous avez plus comprendre que c'est moun qui dans le gouvernement. Yo, qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas résoudre le problème. Ils font eux-mêmes tout ça classiquement, le gouvernement est doué. Fait. Sauf que j'ai l'impression que les gens dans le gouvernement qui comprennent qu'ils ont bluffé dans les choses qui sont là. Les choses qui sont là, ils ont bluffé là-dedans. Ils ont un, savoir, deux, capacité. Maintenant, pour savoir là, je ne peux pas personne. Je n'ai pas entendu parler de M. et dernièrement, le Premier ministre a parlé avec nous. Il a dit qu'il réunit avec plusieurs experts. Bon, naturellement, le Premier ministre doit avoir des experts en cachette, que nous ne connaissons pas. Et cap bal conseil. Mais, moi, ouais, chaque sortie que vous faites, si c'est sous conseil expert à vous faire, vous faites pour connaître, you know, wrong way. Et plus la situation a duré, plus M. Bandio a marqué le territoire, c'est plus la situation a bien aggravé et la bien mettre en désolation dans la population. Parce qu'il est évident que une monde qui a duré, nous n'avons pas qu'on ait métier que vous avez aimé faire dans la situation. Ça. C'est clair. Monsieur Ribu, en plus de volonté, en plus de capacité, mais capacité à mon Karel tout à deux niveaux, Karel tout avec compétences, Karel avec moyens. Semaine dernière, gagné un responsable troupe kenyanio qui parlait avec journal Miami Herald, notamment sous opération Gantia. Nous fait état d'un ensemble de contraintes, de difficultés, d'empêchements que vous gagnez, yon la de yon lié ak moyen, ak logistique, ak matériel, etc. Or, c'est parce que la police là t'a plein de ça yon, comme quoi yon bagay effectif, yon bagay moyen, yon bagay capacité pour bataille contre gang, qui fait yon te mandé assistance là. Alors que je vous dis, assistance là commence vini ou bien assistance là vini, yon presque pose même problème yon. Comment comprendre situation ça? Puisque international a été fait en pluie de promesses des dons de matériel que tu as fait à mission ça pour capable aider bataille pour côté la police là contre le grand banditisme en Haïti. Premièrement, option internationale la prend erronée. Pas jamais un résultat en pensant devoir utiliser des forces de police dans la situation que nous sommes là. Jamais. Pour ça, job là, mais... Quel texte se manifeste là? Puis on prend la police nationale,
et monsieur Kenyan yo aller gantier. Effectivement, à travers une pile difficulté, yo arrivé gantier. Yo neutralisé position pendant une journée. Yo fait travail la police qu'on fait. Yo fait travail la police capable de faire. Maintenant, le assaut est arrivé. Ils ont tombé dans la réalité de la prise des positions géographiques en matière tactique. Même quand ils ont rendu compte qu'ils n'ont pas abrité, premièrement, ils n'ont pas entraîné pour ça. Ils n'ont pas préparé pour ça. Ils n'ont pas préparé la police pour consolider position physique. Moi, j'ai fait 3 ans pour répéter ça. Problème nous gen là, alors un problème de force qui gen zam nan men yo, qui nan yon espace géographique, yon pas résoudre problème territorialité avec les méthodes et les moyens policiers. La police nationale engagée depuis sous Dr. Ariel Henry nan une stratégie qui stupide. Stupide totalement au départ. Colonel Lago, je la ge bagay la. Colonel la ge bagay la à toute force. Bagay la stupide. Nous content de la yon ton bagay stupide. C'est comme si n'a persisté dans stupidité ya. Wow. Un bagay y a plédiré de blendi. D'ailleurs, l'ambassadeur canadien nous avait dit que bagay n'a pas acheté yo, ce sont des matériels de transport de troupes. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme met des troupes là dans le matériel, ça, lui capable, et bien dit capable, mettez peut-être, river sur les lieux de l'action. Lui protéger mon yo qui en dans le matériel, ça, pour être capable river sur les lieux de l'opération. Mais les river, mon Dieu, pas qu'on grenne ta côté au cap pour opération policière, fermé en dans blindé. Ça va exister aucun côté à travers le monde. Son matériel qui permet de river sur les lieux. Les river sur les lieux, ils sont obligés de mettre les pieds à terre. Or, option que vous prenez est de créer une faiblesse la caillou. Ils n'ont pas gagné le nombre. Parce que qui quantité blindé ou gagné et qui quantité nèg ou capable de mettre un don blindé. Mais il faut que les gens ne soient pas dans ces métiers du tout pour comprendre ou prendre ça comme option stratégique. Parce que le problème de maximum négligent, c'est 8 personnes. Maximum. Mais il est arrivé. Donc 8 personnes après être fermées dans l'espace de 6 mètres carrés puis il a fait la guerre. Waouh! Dès le départ, c'était une option commerciale. Quand plus de monde qui prend option pour qu'on fait un combat avec Haïti, depuis sous ambassadeur carrière, l'idée dit nous ça, m'a répété ça, nous pas capable résoudre problème pour gain là sans visibilité aérienne. C'est affaire de faire monde comprendre que qu'on résoudre problème avec blindé, c'est un mensonge technique, quel que soit. Opération qu'on vient pour faire, que ce soit une opération policière ou bien une opération militaire, dirigée par des règles de base. Un, faut entendre. Deux, faut ouais. Trois, faut connaître. Cela veut dire qu'il faut avoir une information qui vient pour un nom. Souterrain ou pral déployé là, faut ouais chaque point côté wap met pio, Jean-Marc Henson Gondil le matin. Et faut kon côté ou pralé. Un, moun ou gen problème avec la ki bon lié. Faut sur quel côté ou pralé. Ensuite, l'offin kon tout bagage sa ou bon règle absolue pour appliquer. Forcer l'eau paraît sous l'île ou paraît sous l'île. Effet de surprise. Le facteur surprise, c'est l'élément clé de toutes les opérations
que ce soit policier ou militaire. Bon. En Haïti, nous avons parlé dans la radio toute la journée, nous avons annoncé, nous allons opérer. Nous prenons, là, nous même parler d'options stratégiques. Non. On nous campait là, parce que tellement de choses, le colonel Imler et Bulle parlait. Finalement, je viens de dire, moi, n'a pas de série de monde, n'a pas de gros nom, comme il a toujours dit le gros nom, tout est tiché. Donc, il n'a pas menti. Et gros DG la police, gros chef CSPN, gros vice-président CSPN, ministre justice, premier ministre, on a causé le conseil présidentiel transition, nous chargé président. Gros nom tout est tiché. Comment on peut dire véritablement? Et il y a une conférence de presse qui fait, DG la police, représentant police Kenya, Yovini Odou, yo lancé opération MPP. Automatiquement, nous dit bandi a lancé opération MPP. Bandi a lui-même ça gagne, il pas mettre contre-attaque pour, il pas préparer équipe, il pas préparer team, il pas préparer tout, j'ont préparé pour lui, pour préparer pour. Zana n'a pas épousé Pina, Zepina pas épousé pour comment, même pas connait, j'ai dit bagaille là. Donc, tu n'as pas parlé pour l'autre, tu n'as pas tenu l'autre. Si il y a une opération qui prend le fait, seul ça qui a garanti réussite opération, même dans le film Noël, même dans le film Action Noël, c'est l'effet de surprise. Ennemi n'a pas de compte à privé, ou rivé, ou attaqué, ou riposté, au final, ou gagne une bataille. Et puis, voilà. Mais malheureusement, en Haïti, c'est film qui a fait, c'est théâtre qui a fait, c'est film qui a monté. Et moun qui toujours perdant, malheureusement, c'est la population, c'est nous-mêmes. Nous payons pas de casse, oui. Ouais, franchement, là, je t'ai regardé l'interview du ministre de justice. Je me suis tellement ri. Je me dis, comme si le nègre était de leur pouvoir, il y a après les mouns sadiques, il y a après les mouns cyniques, il y a après les mouns sadiques, il y a après les mouns cyniques, il n'y a pas aucune volonté. Mais je ne dis pas un nègre dans le pouvoir, l'ivre a accepté que la bien travaille lorsque le bafon merde. Yo vle accepter pour dire que y a travail pour dou wè travail yo ou wè réalisation alors que pas rien a fait. Ministre justice en dou nan l'hôpital général bandi pas attaqué, c'est deux coups de balle qui t'est tiré. Li dou li pas au courant de déclaration autorité kenyan yo qui dit que blende yo gen la pas approprié ou pas adéquat. Donc nèg sa yo ki nan pouvoir l'état depuis yo rentre nan pouvoir yo a vivre sur l'autre planète. Ou comprenn? Ça k'ap passé, ça concerne pays en réalité a yo pa wè la même Dieu avec nous. Dieu pa yo am pa konn si l'en bas ou bien si l'en do yo mais l'pa nan li. Ou comprenn? Côté pa nou yo fixé a côté pa nou yo a j'ai pa yo voilà. Kose yo en pile. Compatriote ici frèchèm, si n'ap gardé, si n'ap tande ça k'ap di nan actualité. Si n'ap tande véritablement c'est moucher l'état, c'est dirigeant ça qui pour faire un bagaille pour pays hein. Conseil présidentiel transition hein, yo a fin passé 2 ans yo a n'a réalisé pas grand sérieux qui réglé. Et c'est ça qui fait journée jodi on veut comprendre que c'est responsabilité nous chaque comme citoyen. C'est responsabilité nous chaque comme haïtien pour nous camper pour nous dire pays a pas qu'à continuer comme ça. Pays yon pa ka descendre pi bas que Jean Lia. Pays yon pa ka aller pi bas que côté nèg yo mette l, que côté nèg yo yo mette tête ensemble, yo fait complot pour la guerre Haïti là. Parce que là n'a clair n'a honnête avec tête nous que et en 3 mois comme ça, c'est la fin. N'a gardé quantité cartouche, quantité zam nèg yo a exposé a montrer. Qui réponse pouvoir l'état bay 0 barre 0 tête marée. Nous sommes tant de li que ministre justice an li dit tout territoire qui en bas mesure état d'urgence sécuritaire yo interdit rassemblement, yo interdit manifestation, toute décision subversive qui ka et porter préjudice à l'ordre établi en parlant à état d'urgence, en parlant de état d'urgence sécuritaire là. Tout ça qui a contourné mesure que yon prend, yon interdit. Ça veut dire question qu'a posé là, et mobilisation, et Guy Philippe et équipe li lancé pour dimanche 11 août prochain. Donc, est-ce que son manifestation qui pral kembe? Est-ce que yon pral faire manifestation et même sans autorisation? Et qui sa bagay l'en pral lié pour 11 août prochain?
point d'interrogation, puisque déjà, nous sommes toutes les mesures qui sont pour avec l'état d'urgence sécuritaire et pour le département, côté mesures, ça y prend, eh bien, ils ont interdit toute réunion, tout rassemblement populaire. Donc, nous connaissons Port-au-Prince lui-même, lui fait partie de l'état d'urgence sécuritaire, de communes qui sont affectées par l'état d'urgence sécuritaire, qui s'abagaillent pour allier, qui sortent, qui prennent gagner dans le cadre gros mobilisation que Réveil National, que Frein, que Guy Philippe et l'équipe li programmée pour dimanche, cap gen pour venir là. Donc, on a prêté connecté, on a prêté branché, et tout update qui gagne, on a partagé là avec vous. Dans le cadre de dossier si là. Compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est là n'a mettre un bout dans l'émission pour aujourd'hui, hein. C'est un véritable plaisir pour nous porter information si là pour vous. Restez connecté à la chaîne pour cette programmation, hein. Rendez-vous, hein, li casser dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays ou et puis on agit. Désespoir de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse. Débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi. Depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paula pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat. C'est toujours même Yannick là, même voix.